Bonjour, je suis Jérôme Maisonnas, je suis le responsable de l'atelier de prototypage du Fab MStick. Donc c'est un atelier de prototypage pour la recherche et pour l'éducation. On met de l'informatique dans l'objet. L'objectif de l'atelier, c'est d'incarner l'informatique dans l'objet. Là, je vais vous montrer donc différents types de prototypes réalisés par des élèves de l'IUT de Grenoble. Alors ici, on voit qu'ils sont en train de travailler sur une bande d'arcade où on va retrouver le montage se fait en live. Donc on va trouver tous les périphériques physiques qui vont permettre de contrôler donc un logiciel qui est installé sur une tablette. Là, on voit des objets mathématiques réalisés par des chercheurs. Donc là, cet objet a entièrement été scripté, rien n'est signé, c'est uniquement du code qui permet de générer le fichier qui va permettre de découper au laser l'objet. Un exemple d'autre objet mathématique imprimé à l'impression 3D, c'est un hypercube. Donc voilà, ce sont des outils qui sont réalisés dans l'atelier à des fins pédagogiques. Notre mascotte, Robert. Donc Robert est un robot de téléprésence à base de pot de fleurs. L'objectif de Robert, c'est de permettre à par exemple une personne qui serait absente, par exemple qui serait malade, de pouvoir contrôler à distance le robot et de converser à travers le robot avec un système de visioconférence. Vous avez une tablette qui est portée par le robot mais qui contient aussi le serveur qui permet d'adresser ce robot depuis Internet. Je peux voir ce que voit Robert et j'ai donc une interface de contrôle pour piloter le robot. Là, je vais avancer. Et donc, c'est un robot qui est entièrement pilotable depuis Internet.